Vendredi 9 février, à bord de Banque Populaire. Encore 36 heures environ pour aller au Cap Horn. Donc on se rapproche, c'est cool. Toujours avec cette dépression qui est derrière nous là, qui nous permet d'avancer en tout cas. C'est le train qu'on a pris depuis 4 jours, 5 jours. C'est l'avantage des ultimes, avec une seule dépression, on peut traverser le Pacifique. Donc ça c'est bien. C'est la bonne nouvelle. Il y a encore quelques empannages à faire pour aller chercher ce troisième cap dimanche dans la matinée, et puis ensuite l'Atlantique. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. En ce moment c'est toujours un peu agité, il y a du vent, il y a de la mer. C'est pas très. Voilà, c'est un peu gris, pas grand chose à voir dehors. C'est un peu monotone, il n'y a pas très, tellement de vie par ici. Pas beaucoup d'oiseaux, voire aucun en ce moment. Et à part les vagues et le ciel. Voilà, on voit pas grand chose. Bon, on a mis les vêtements un peu plus chauds, ça commence à se rafraîchir, on va descendre encore un peu sud pour aller passer sur le cap. Et normalement, ensuite ça devrait être assez sportif. Après les îles des États, on va avoir du vent soutenu. Voilà, ça va être le dernier gros morceau des mers du Sud. Et il faudra attendre encore au moins jusqu'à mercredi avant d'avoir des conditions plus simples. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Et rendez-vous au Cap Horn. Ciao, ciao.